Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de TV+ Madagascar. Je vous invite à le suivre jusqu'à la fin. Et maintenant, voici les titres. L'exécution des projets présidentiels est soumise à des règles de procédure de passation de marché et d'appel d'offres strictes initiées avec les personnes responsables des marchés publics, selon le directeur général des projets présidentiels. Telle a été sa réponse face aux problèmes liés à la construction du projet présidentiel à Vatmanj, qui a défrayé la chronique la semaine dernière. La deuxième dose du vaccin Covishield arrivera avant le 10 août 2021, selon le Premier ministre Christian Tsai hier, lors de son intervention à la chaîne nationale pour annoncer les nouvelles mesures des 15 prochains jours. Il a rajouté que le ministère de la Santé publique examine avec les partenaires la possibilité de faire venir d'autres types de vaccins approuvés par l'Académie nationale de médecine. Les commerçants ont constaté une hausse du taux de leur chiffre d'affaires pendant la fête de l'indépendance de cette année. Les jouets ont été les plus prisés par la clientèle d'après les explications, mis à part la nourriture et l'électronique. Et pour terminer, le Rassemblement national a échoué dimanche en Provence-Alpes-Côte d'Azur, seule région que le parti d'extrême droite semblait pouvoir remporter. En ballotage défavorable après le premier tour, le président sortant en PACA Renault Muselier a été réélu. À la une de l'actualité, comme je vous disais à l'instant, en titre, l'exécution des projets présidentiels est soumise à des règles de procédure de passation de marché et d'appel d'offres strictes initiées avec les personnes responsables des marchés publics, selon le directeur général des projets présidentiels. Telle a été sa réponse face aux problèmes liés à la construction du projet présidentiel à Vatmanj, qui a défrayé la chronique la semaine dernière. Face aux critiques ininterrompues de l'opposition, Augustin Ndjiamananour de répliquer que les opposants nient la réalité, selon laquelle plusieurs infrastructures sont déjà mises en place et que d'autres seront en projet ou en cours. Sibella Rajemazav, Rivrin Jenarzon. Un lycée agricole à Vatmanj, qui n'est autre qu'un projet présidentiel, fait l'objet d'un litige actuellement. Il oppose un sous-traitant à l'entreprise prestataire. Face à la situation, la Direction générale des projets présidentiels est sortie de son silence en annonçant que l'exécution des projets présidentiels est soumise à des règles de procédure de passation de marché et d'appel d'offres strictes initiées avec les personnes responsables des marchés publics au niveau des départements ministériels concernés selon le directeur général des projets présidentiels. La DGPP décline ainsi toute responsabilité relative à d'éventuelles irrégularités liées à l'exécution d'une passation de marché public ou à d'autres aspects financiers dans la réalisation des projets présidentiels. Néanmoins, une concertation entre les deux parties va être initiée selon toujours le directeur général. Face aux critiques de l'opposition, Augustin Ndjiamananour rétorque que les opposants campent dans une posture où ils ne veulent voir que l'envers et jamais la face de la réalité. Plusieurs infrastructures sont déjà mises en place et d'autres viendront s'y ajouter. Quant aux élus, ils effectuent déjà un compte-rendu auprès de leurs électeurs comme prévu dans la loi, à l'instar du député élu Azim Jan. Il serait plus judicieux de se donner la main dans la réalisation des projets de développement plutôt que de persister dans les critiques à tout va et à caractère haineux, selon toujours ses propos.
Et pour continuer, la deuxième dose du vaccin Covishield arrivera avant le 10 août 2021, selon le Premier ministre Christian Tsai hier, lors de son intervention à la chaîne nationale pour annoncer les nouvelles mesures des 15 prochains jours. Il a rajouté que le ministère de la Santé publique examine avec les partenaires la possibilité de faire venir d'autres types de vaccins approuvé par l'Académie nationale de médecine, comme Janssen, Sinopharm ou Pfizer. Le chef du gouvernement a évoqué la décision sur la réouverture des frontières d'ici 15 jours. 197 000 sur les 250 000 doses importées ont été administrées dans le pays selon les statistiques annoncées par le Premier ministre Christian Tsai hier lors de l'habituelle émission bimensuelle sur l'échelle nationale informant de la cohorte de nouvelles mesures des 15 prochains jours face à la COVID-19. Il a expliqué que le vaccin Covishield figure parmi les types de doses approuvées par les Nations Unies et soutenues par ailleurs par de multiples ambassadeurs à Madagascar, d'où leur présence à l'arrivée des vaccins au mois de mai. Christian Tsai de préciser que le chiffre de 197 000 personnes vaccinées démontre une persuasion de la population à se faire vacciner. Les districts d'Antananarivo-Renvoj, d'Atsimjan, d'Ambujachim, de Thomasna 1 et de Thomasna 2, d'Ansaranan et de Sainte-Marie enregistrent le plus fort taux de vaccination. Nous suivons l'ordre mondial dans la lutte contre la COVID-19, poursuit le Premier ministre. Ainsi, les deuxièmes doses du Covishield arriveront en terme à Malagasy avant le 10 août 2021. Ce type de vaccin ne peut être associé à un autre. Les bénéficiaires devront donc faire un rappel après 8 à 12 semaines à partir de la date d'injection. Les bénéficiaires devront donc faire un rappel après 8 à 12 semaines à partir de la date de l'injection. Le numéro 1 de Malazoire va pourtant rajouter que le ministère de la Santé publique examine actuellement les possibilités de faire venir d'autres types de vaccins approuvés par l'Académie nationale de médecine de Madagascar. Il s'agit de Janssen, Sinopharm et Pfizer. Lui de rappeler qu'à part le vaccin, Madagascar a sa propre stratégie de lutte contre la COVID-19. Il s'agit de l'utilisation de la médecine traditionnelle améliorée, notamment le COVID organique ou encore le CVO+ en gélule. Dans son annonce des mesures pour les 15 jours à venir, Christian Tsai a évoqué l'éventualité d'une décision sur la réouverture des frontières d'ici 15 jours. Et pour continuer, le président du Sénat et les deux vice-présidents avec les membres de la Chambre haute ont tous répondu présents pour le premier défilé militaire de leur mandature le 26 juin 2021 au stade Paris de Mamassen. Pour marquer l'occasion, ils ont organisé un cortège au départ du Sénat à Nouss pour rejoindre le stade, que ce soit la parade militaire ou le grand show de la souveraineté ou encore le sublime feu d'artifice. Le président du Sénat, comme les deux vice-présidents du Nord et du Sud, ont eu le privilège de profiter du spectacle jusqu'au bout de la tribune centrale. Les détails avec Fiavana Douni et Ruth Nchiamboulou-Mazat. Les nouveaux locataires d'Anous, invités au tout premier défilé militaire dans l'enceinte du stade de Mamassen, dotés d'un tout nouveau visage. Les sénateurs, en tant qu'invités de marque lors de la célébration de la fête nationale le samedi 26 juin 2021, ont voulu marquer l'honneur qui leur était fait. Dans la matinée, arborant les couleurs de la République, les deux vice-présidents du Nord et du Sud, ainsi que le reste de la Chambre haute, se sont donné rendez-vous au Palais Vert pour former un cortège en direction du stade Barea de Mamassen. En tant que chef d'institution, ils ont pu accéder à l'entrée principale réservée à cet effet. En tant qu'invité d'honneur, le président du Sénat et les deux vice-présidents du Nord et du Sud ont eu le privilège d'être aux premières loges pour profiter du déroulé de la cérémonie dans son entièreté, notamment la levée du drapeau à l'arrivée du président de la République Andrzej et la haie d'honneur militaire. Ils ont pu se régaler du spectacle de la parade militaire qui était l'apogée de la célébration de la fête nationale et qui a duré dans les 1h30. La démonstration de taekwondo des éléments de l'armée malagasy regroupée au sein du COSFA ainsi que les survols d'aéronefs, sont parmi ceux qui ont le plus marqué les esprits cette année.
Ce fut une grande cérémonie pour marquer la souveraineté du pays avec un grand show en prime, et les membres de la chambre haute recoupés dans la tribune centrale n'ont pas raté une miette de l'époustouflant feu d'artifice. C'est ce qui avait clôturé en beauté toute la cérémonie. Et puis, les commerçants ont enregistré une nette hausse de leur chiffre d'affaires pendant la fête de l'indépendance de cette année. Les jouets ont été parmi les plus prisés par la clientèle, d'après les explications. Mis à part la nourriture et l'électronique, pour certains centres commerciaux, ils ont décidé de mettre les clients dans l'ambiance en mettant en avant l'histoire du pays à travers des expositions, d'après les explications. Narinjatin et Fitch Njiemenanzar. Comme à chaque fête de l'indépendance, les commerçants font un bon chiffre d'affaires. Ils n'ont pas hésité à faire un achalandage des jouets sur leurs rayons, produit qui a très bien marché durant cette période. Parmi les jouets les plus prisés des parents figurent les lasers et les jouets lumineux à musique, Let It Go, populairement appelés Let It Go. Selon les commerçants, tous les lasers verts qu'ils ont importés sont tous épuisés. Les clients étaient venus en masse faire la queue pour pouvoir acheter ces fameux lasers. Les chiffres d'affaires ont été réellement florissants comparés à l'année dernière qui avait été les plus décevantes à cause de la COVID-19 et dont aucune fête ni vente n'a pu se faire, toujours selon les explications. À part les jouets, bon nombre de clients ont aussi choisi de se faire plaisir en achetant des produits électroniques d'après les explications. Et presque tous ont acheté les ingrédients culinaires nécessaires pour une table de fête selon les commerçants. Certains centres commerciaux n'ont pas hésité à surfer sur la vague de patriotisme en mettant en valeur l'histoire du pays en l'illustrant à travers des expositions pour mettre les clients dans l'ambiance de la fête du retour de l'indépendance de Madagascar. Et puis, les travaux d'installation de la logistique pétrolière sur le terrain de Tansou dans la commune de Bongatsar ont débuté ce jour. L'installation de cette grande infrastructure respecte les normes de la légalité selon le maire de la commune de Bongatsar. La population des trois Fouktan concernées demande leur priorisation dans le recrutement des ouvriers. La société Colas, responsable du terrassement, de souligner qu'elle recrute des main-d'œuvre locales et que certains de ses employés vont s'installer le temps des travaux dans la dite commune. Reportage. Le projet d'installation de logistique pétrolière à Bongatsar est actuellement en cours de réalisation. Les travaux de construction ont débuté ce jour. Les habitants des trois Fouktan concernés par le projet demandent leur priorisation dans le recrutement des main-d'œuvre. La société Colas, qui se charge du terrassement du terrain, d'affirmer qu'ils effectuent habituellement des recrutements d'ouvriers locaux à chaque réalisation de grands travaux. Une bonne partie des employés seront également déplacés aux environs de Tansou, une situation qui va impacter positivement le développement des trois Fouktan touchés par le projet. La population et toutes les autorités locales ont donné leur feu vert à ce projet selon leur dire. Le maire de la commune de Bongatsar a souligné la légalité quant à sa réalisation. Toutes les procédures ont bien été respectées selon ses dires. À noter que la réalisation de ce projet est le fruit de la coopération étroite entre la commune et le pouvoir central, toujours selon le maire de Bongatsar. Une entente qui est appuyée par les partenaires techniques et financiers. Et pour continuer, passons maintenant aux actualités internationales.
Les sondages prédisaient à l'extrême droite une forte progression aux élections régionales, mais le Rassemblement national n'aura finalement remporté aucune région à l'issue du deuxième tour de ce scrutin organisé dimanche 27 juin. Largement battu par le président de droite sortant en Provence Côte d'Azur, Renaud Muselier, l'ancien LR Thierry Mariani, a échoué dans son défi de gagner la région, seul fief que le parti d'extrême droite semblait en mesure de pouvoir remporter. Les détails avec France 24. Une défaite, c'est un camouflet pour Thierry Mariani qui pourtant était donné gagnant ou au coude à coude par tous les sondages depuis un mois face à son adversaire et ancien ami politique Renaud Muselier. Eh bien, il est battu avec 14 points d'écart et il fait moins bien que Marion Maréchal Le Pen en 2015. Et la raison, vous l'avez dit effectivement, il a affiché pendant la campagne, disons, un visage rassurant en droite ligne avec la stratégie voulue par Marine Le Pen, cette stratégie de normalisation. Eh bien, résultat, il a certes capté des voix au sein de la droite traditionnelle, la droite déçue par les Républicains, par Renaud Muselier et ses alliances avec la majorité présidentielle. En revanche, il n'a clairement pas mobilisé auprès de l'électorat frontiste traditionnel qui a été très silencieux pendant cette campagne, qui ne s'est absolument pas mobilisé et qui peut-être a vu en Thierry Muselier un simple transfuge de la droite. Thierry Mariani, pardon, qui a rejoint, je vous le rappelle, le Rassemblement national il n'y a que 2 ans. Ainsi s'achève notre édition du journal de TV Plus Madagascar. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour le journal en version malagasy. À très bientôt.